se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2016 découverte. Hein. Je viens de commencer le match. Je vous souhaite un bon visionnage. Abonnez-vous, likez toutes mes vidéos. Enfin, sauf cela. Je vous promets d'essayer de faire un bon match. J'ai déjà fait 3 matchs. Enfin, ouais. J'ai essayé de faire une vidéo déjà plusieurs fois. Mais voilà, mais là je me suis un peu habitué aussi. Je crois que ça va mieux y aller. Le ballon dans la surface. Ça commence. Le match là, j'avais déjà marqué un goal de la tête par chapeau. Magnifique. Ici, pour avancer, c'est manqué à la Roma. Ici, pour avancer, c'est juste la première fois que je joue. C'est lui qui joue sur FIFA, donc c'est un peu une découverte. Pour information, le bouton croix et carré sont inversés. Enfin, je joue sur PS4, on sait jamais. Le bouton croix et carré sont inversés. Donc voilà, pour faire des passes ou pour oh putain, je fais ça. Je pense que ça va le réussir à tout retard. Toujours 0-0. Je sais pas ce qu'on va démonter. C'est un peu la route. Leandro Almeida. Doudou. Et le geste plein d'autorité qu'elle tacle. Il garde ce ballon. Pour trouver la faille dans la défense. C'était chaud. Leandro Almeida. Et le ballon qui est remis dans l'axe. De la construction tranquille, un peu trop peut-être. Ouverture lumineuse. Doudou, il joue dans l'espace. Attention. Bon, on va pas éviter de regarder ça, comme si ne s'était rien passé, hein. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est la merde. Très difficile de l'arrêter. Oui, d'accord. Bien, on a le temps pour marquer, on va se stresser. Le score, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. C'est le Keita. Dans le dos de la défense. Mais franchement, j'ai pas de chance aujourd'hui, hein. J'ai pas de chance. On est à la demi-heure de jeu, quasiment. Jean-Luc. Brise le ballon en profondeur. Il y a distance de tir. Attention, Charles, je ne joue pas pour rien. Il choisit de jouer en retrait. Pjanic qui choisit le côté gauche. Quoi? Oh, le bâtard. Doudou. Pjanic et ce magnifique tacle glissé. De la jouer dans l'espace. Oh, la grosse occasion. Aucun danger pour le gardien. Mais j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui, vous êtes d'accord, hein. Pas trouvé de réponse à ces dribbles. Ah, mais c'est déjà fini. Ça me choule de chat, les amis. Doudou qui a donc offert un but à son coéquipier. On voici Alexandro. Oh, ça me fait cool, Alexandro. Attention à cette passe lobée. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Le coup de sifflet, l'arbitre. Pour hasard, quand il attaque par hasard, ça arrête. Hein. Putain, il peut faire beaucoup mieux que ça. Peut-être que ce but encaissé va le servir. Aussi, mettez-moi des commentaires sur des autres jeux que vous voudriez que je fasse. Coup d'envoi de la seconde période.
L'AS Roma n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. Il y avait danger, mais il a bien jailli. Doudou. Oui, il y avait une faute. Vers le poteau de corner. Oui, il peut frapper là. C'est joué, loin devant. Il y a un contact qui était pas vas-y, putain. Ah non, mais carrément direct le rouge, quoi. Tu les enculés. Il y avait jaune là. Putain. T'as le droit de vivre, c'est... Et puis bien sûr, chaque fois que je fais une passe, elle leur revient dessus en plus. C'est bien fait ça. Il joue dans la profondeur. Pour trouver la faille dans la défense. Il reçoit le ballon. Le drapeau ne s'est pas levé. Même la situation s'était obligée de se terminer comme ça. C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Merci. Alors là, ça peut être un très grand match parce que les deux équipes se rendent au contenu. Voilà, un coup franc intéressant. Carton jaune, oui, c'est logique. Une rouge là. Mais bon, c'est pas grave. J'ai déjà perdu un joueur, je suppose. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Le ballon sort en touche. Et la touche maintenant. C'est du Keita. Un long ballon vers l'avant. En profondeur, sur l'aile. La passe est précise. Il peut conclure. Il glisse le ballon en profondeur. Oh, très bon ballon. Passe interceptée. Pour la mettre à l'eau, mais c'est pas grave. Non. Oui, qui compte donc un but dans ce match. C'est joué long, attention, il a le champ libre. Allez jusqu'au bout. Une voiture. Ils sont devant maintenant. Et c'est 2-1, bon bien. Ils ne baissent jamais les bras, ça force l'admiration forcément. Ils étaient menés, les voilà maintenant devant. Ils jouent dans l'espace. Ouais. Dommage. Je m'emporte un peu trop là quand même. Alexandre.
Je l'ai déblayé, les gars. Allez. Bon, voici Mohamed Salah. Non, c'est trop bien. Personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison, c'est un véritable cauchemar de défendre. Le long dégagement du gardien. Perotti, il joue dans la profondeur. L'accélération. On est maintenant dans les arrêts de jeu. Que quelques instants à tenir. Il concède un coup franc. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Quoi ? Oh, mais vache. Ouais, bon, bah voilà. C'est fini. Enfin, c'est fini. Oh putain, j'ai pas encore fini. C'est bientôt terminé. Il faut vite trouver une solution. La belle interception. Il faut que je la mette en fait. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Et voilà. Bon bah on a gagné, hein, c'est bien. Des jolis, enfin des jolis, des moyens goals. Hein. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur un prochain jeu avec une prochaine personne. Donc il y a une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à vous abonner. Donc... Bye bye les abos.